À l'heure où notre planète semble en phase de transition climatique, la question de l'énergie est cruciale pour les futures générations. Comment rendre les voitures moins polluantes? Faut-il sortir du nucléaire? Comment développer massivement les éoliennes et les panneaux solaires, par exemple? À quelques mois de la conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Paris, les 31e Olympiades de la chimie avaient donc pour thème l'énergie. Mercredi 8 avril, 12h30, c'est dans le quartier de Montparnasse, au collège Stanislas, qu'avaient été convoquées nos chères têtes blondes, et brunes, et noires, et blanches, et ironie de la météo, en plein pic de pollution atmosphérique. Cette année, 2230 candidats ont tenté de rallier la finale nationale. Seulement 36 d'entre eux ont obtenu leur billet pour la ville lumière, dont certains qui viennent des quatre coins du monde. Je viens de Libreville, au Gabon. Alors je viens du lycée Pierre Mendès France à Tunis. De Nouvelle-Calédonie, je viens exactement de Dambéa, qui est une petite commune juste à côté de Nouméa. Si les provinciaux ont dormi à l'hôtel, les franciliens, eux, n'avaient pas d'excuses pour rater le lycée le matin même. J'ai fait 2 heures de maths avant de venir. Là. J'étais en cours ce matin, 2 heures de maths, et puis après j'ai pris le train chez moi. C'est vrai ? Ouais. T'es dans le bain comme ça, c'est déjà chaud. Ouais, enfin, on va pas faire des intégrales normalement. Non, plutôt plancher sur la production, le stockage ou l'économie d'énergie. Le thème de cette année est vaste, mais certains candidats ont des préférences. Moi, je suis plus calée en chimie organique. Je pense que sur l'énergie, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, en fait. Donc, on verra bien, la surprise. J'espère pas trop d'électronique. On n'a pas encore réussi à trouver des bonnes techniques de stockage de l'énergie. Et à chaque fois, il y a des pertes ou des choses comme ça. Donc, c'est encore quelque chose, un domaine dans lequel on peut progresser. Premier sacrifice pour ces membres de la génération 2.0, se séparer de leur meilleur ami, leur portable. Les candidats sont, et c'est une nouveauté, regroupés en trio cette année. Les néo-partenaires ont quelques minutes pour faire connaissance. Il y a les modestes. Quand je me suis inscrite, en fait, c'était juste vraiment pour participer. J'ai pas eu d'intention. Enfin, je suis arrivée première sans vraiment le vouloir. Enfin, je suis là, je suis contente juste d'être ici. Diaticone. Il y a les timides et les plus exubérants. Le but, les sensibiliser au travail collectif avec des personnes d'horizons variés. Quand on est chimiste, le fonctionnement en équipe est une habitude à prendre. Voilà le sujet auquel sont confrontées les équipes. Elles ont 2 heures pour bûcher et préparer 15 minutes d'exposé devant un jury de professionnels, jury qui leur posera ensuite des questions pendant à nouveau 15 minutes. Un timing serré, alors mieux vaut ne pas se laisser distraire par les caméras. C'est un sujet que je vais avoir, pendant la soirée de la cérémonie en fait, de remise des prix. Mix énergétique. En gros, on n'a pas intérêt à faire des gueules de con. Ça va être drôle. En optimisant les moyens mis à leur disposition, les collègues se répartissent les tâches pour gagner du temps. Certains font du calcul, d'autres rédigent. Toi, Antoine, tu fais quoi ? Moi, là, je fais la secrétaire. Pendant ce temps-là, les membres des groupes qui passeront plus tard dans l'après-midi continuent d'affluer. Se programmer en toute fin de journée peuvent même se permettre le luxe d'une balade dans Paris par cette belle journée de printemps. On s'est un peu baladé dans Paris, on a fait un resto et après on est à la place de la Concorde, on s'est un peu assis. Et voilà. Si les uns se promènent, les autres bossent lors de la présentation. Alors qu'il faut se partager le temps de parole, il y a ceux qui parlent beaucoup. Et ceux qui parlent un peu moins. Puis vient l'heure des questions du jury. Comment vous feriez pour estimer d'un point de vue quantitatif le surplus en fait de dioxyde de carbone qui peut être jeté lorsqu'on utilise l'essence issue du pétrole et de l'essence éventuellement issue du charbon? Alors verdict, comment ça s'est passé? Mal. C'était compliqué. Je sais pas, plutôt à l'aise. Je pense que ça s'est plutôt bien passé et puis on verra. C'était surprenant, donc il y a eu un certain temps où on se demandait vraiment ce qu'il fallait dire en problématique. Et on n'a pas trop eu le temps de finir, donc c'est pas trop génial, mais
Il n'y a pas trop de chimie aussi, c'est un peu embêtant les Olympiades de chimie. C'était un peu déconcertant au début, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la chimie qu'on a l'habitude de faire au lycée. C'est très différent par exemple d'un sujet de bac ou quelque chose comme ça, donc un peu déconcertant au début. Le jury se fait parfois un petit peu désarçonnant sur certaines questions. Après ils nous ont posé d'autres questions sympas, genre « Est-ce que vous savez comment Hitler il faisait rouler ses tanks alors qu'il n'avait pas de pétrole pendant la Seconde Guerre mondiale ?» Ouais, ou alors c'est quoi la formule chimique du calcaire? J'en sais rien du tout, je suis pas en SSVT. C'est pas du tout fait pour les déstabiliser, c'est plutôt fait voilà, pour tester la culture générale, pour voir finalement, ils sont en groupe de trois, bah, pour voir lequel arrive plus à répondre à, plus facilement, plus rapidement à cette question. Mais c'est sans doute pas du tout pour les déstabiliser. Et on a eu des candidats qui s'en sortaient très très bien. Aux questions dites un peu piégeuses, ils s'en sont bien sortis. Tout se termine en tout cas dans la bonne humeur avec la satisfaction d'avoir rencontré des personnes qui partagent le goût des sciences. Ça fait du bien en fait par rapport au lycée. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment les sciences comme nous. Et il y en a certains qui ne comprennent pas. Vous êtes fous de faire les Olympiades. Ils ne comprennent pas. Et là, tout le monde fait la même chose depuis le mois de septembre. Et c'est agréable. Depuis trois décennies maintenant, les Olympiades ont contribué à faire éclore des talents de la chimie. Le thème de cette édition renforce l'intérêt d'un tel événement. Nous l'espérons que bon nombre d'entre eux deviendront des chimistes, mais ce que nous souhaitons tout particulièrement, c'est que des esprits scientifiques se développent et puissent influer notre société qui est, par certains égards, imperméable au progrès. Je souhaite que les jeunes puissent se détacher de l'écologie politique pour aller vers une écologie scientifique. Bon, messieurs, dames, après un après-midi de dur labeur, quel est le programme de cette soirée? Je crois que je vais rien faire qui a un rapport avec la chimie, parce que là, ma tête, elle est saturée. Je sais pas. Je pense que je vais rentrer chez moi, je vais pioncer, déjà. J'en sais rien. On verra. Un repos bien mérité et dont ils devront bien profiter. Bonne soirée. Bonne soirée. Changement de décor, le lendemain, les 36 protagonistes étaient dispatchés sur deux sites, l'université Pierre et Marie Curie et l'école nationale de chimie, physique et biologie. À peine arrivés, les 18 chimistes en herbe enfilent leur plus belle blouse. Enfin, presque. Bon, est-ce que tout le monde est content d'être là? Être là déjà, c'est super. Donc du coup, déjà, je voulais pas venir ici à la base. Ah bah ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il y a Marion? T'as mal dormi? La nuit, ça s'est bien passé malgré les petites chambres et la chaleur. Avec le périph', on n'a pas l'habitude des voitures. Voilà, donc à Salon de Provence, il n'y a pas de voiture. À Toulouse, il y a des avions, mais il y a aussi des grèves en ce moment. Voilà, hier, il y avait une grève des contrôleurs. Mon vol était normalement maintenu, il a été retardé et finalement annulé. Donc, j'ai dû prendre le train et je suis arrivé à 20h, donc trop tard pour la première épreuve. Alors c'est parti, vous pouvez retourner les sujets et vous avez 10 minutes de lecture, puis 3h30 d'épreuve. Même s'il ne sera pas classé, Florian a l'occasion de faire étal de son talent. 8h20, début de l'épreuve, une vingtaine de minutes pour potasser l'énoncé. Et nous voilà lancés jusqu'à midi avec des manipulations à réaliser et un carnet de bord à remplir. Alors, en fait, les élèves disposent au départ d'un produit qui est issu du recyclage des piles qu'on utilise, des piles classiques, piles alcalines, piles salines. Et le protocole vise à voir comment on peut séparer les cations, manganèse et zinc qui sont contenus dans ce produit de recyclage. Les plus à l'aise à l'oral ont parfois des faiblesses pour l'épreuve pratique. Bah, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment bien pratiqué, j'ai jamais fait de distillation par exemple. On va voir, mais je reste confiant. Et les plus timides sont à présent dans leur élément. C'est une épreuve qui est assez sélective, donc sur les candidats, on voit déjà qu'il y en a qui sont plus à l'aise, qui avancent plus vite. Sur les 3G, oui, il y a une candidate, là, celle qui est au fond, qui est un peu plus performante et qui percute un peu plus vite. Ouais. Dans cette épreuve également, la gestion du temps est aussi importante que la maîtrise du geste. Qu'il soit assuré ou pas, il faut se jeter à l'eau, ou à l'eau distillée en l'occurrence, jeter ses dernières forces dans la bataille avant leur butoir. C'est terminé pour les manipulations, donc vous pouvez encore consulter vos résultats. Moi je pense que ça s'est plutôt bien passé, enfin j'ai presque eu le temps de finir.
Bon, j'ai eu un petit souci à la fin avec une de mes solutions, ça n'a pas marché, mais à part ça, c'était plutôt cool. Bah, ça s'est passé, hein. On ne peut pas dire autrement. J'ai essayé de faire au mieux, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Après, j'ai quand même essayé de prendre mon temps, essayer de manipuler. Si je pouvais pas faire beaucoup, au moins faire le mieux possible, essayer de manipuler correctement. La plupart des gens n'ont pas eu le temps de finir leur protocole. On a quand même réussi à un peu sauver les meubles, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Au lycée, quand on fait un TP de 2 heures, c'est déjà très long. Et là, 3 heures, 3 heures et demie, c'est quelque chose d'autre. Hein, mais... Je suis pas trop habitué à ce genre d'épreuve. J'ai beaucoup apprécié, vraiment, j'ai bien aimé, on a pas mal de liberté. Faut soi-même faire ses propres protocoles et tout, c'est assez tendu. Au niveau du temps aussi, ça passe très vite, on a pas de temps à perdre. Voilà, j'ai pas pu tout faire, mais bon, je suis bien amusé, j'ai bien aimé cette expérience. Que les notes soient bonnes ou pas, les candidats semblent tous avoir vécu une courte mais intense tranche de vie. Cette finale nationale restera un bon souvenir pour nos futurs bacheliers. C'est bien parce qu'on peut travailler la chimie autrement qu'en cours déjà. Puis rencontrer des gens et venir à Paris, c'est bien aussi. C'est vraiment une super expérience. Non seulement ça permet d'augmenter tout ce qui est sa culture scientifique, mais ça permet de faire plein de rencontres, de venir sur Paris, de travailler dans des labos comme ceci. Non, c'est vraiment chouette. C'est une très bonne expérience. Hein. Je sais que même si je ne serai pas premier, je suis venu à Paris, j'ai vu les labos, j'ai vu la ville. C'était vraiment très intéressant. Le rideau tombe sur les épreuves de ces 31e Olympiades de la chimie. Les élèves ont donné le meilleur d'eux-mêmes avec juste ce qu'il fallait d'ambition et de franche camaraderie. Gageons qu'ils mettront autant d'énergie dans leurs études supérieures qu'ils en ont mis dans ces Olympiades. L'avenir de la chimie, et donc indirectement de notre planète, ce sont eux qui l'incarnent.